Donc bien sûr, hein, c'est une démo. Tout peut changer. Et j'ai vu qu'il était en early access il y a quelques temps déjà. Mais que du coup, elle a dû être terminée. Ok. Stamina counter off. Enemy outlines. Hints. Ouh, déjà la musique, elle met bien dans l'ambiance. Hein. Vidéo, oui. Il demande de plutôt jouer au contrôleur. J'imagine que là, voilà. Déjà. Le menu a une reconnaissance de la manette. Déjà bien. C'est parti. Nouvelle game. Toutoutoutoum. Deux jours plus tôt. Trinity, pourquoi tu es-tu stoppé? Tu n'as plus d'essence? Oui, réservoir est vide. Il devait y avoir un vieux checkpoint de Herc. C'est vrai, je te suggère d'y aller. Bien sûr. Ouais, généralement, ils ont tout nettoyé. Ils gardent toujours des cachettes secrètes et sécurisées. Sois fort. Bonne chance. Ok, donc on a la machette. Visiblement, à une résistance. Par contre, le cac, ça bouffe de la stamina. Donc c'est un stick shooter. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas vraiment de bouton pour viser. C'est avec le stick droit qu'on vise. Et on maintient. Ok, il y a du sneak. Sprinter, on a une lampe torche. J'avais déjà vu des images du jeu au moment du Kickstarter et ça donnait quand même bien envie. À voir comment la mécanique de Roguelite s'inscrit dans le jeu, mais ça sent un peu le même délire que. C'était quoi? C'était. Comment ça s'appelait? C'est un jeu sur Xbox Live. Tac. C'est State Decay. State of Decay. Quelque chose dans ce style. Ah, le rechargement parfait. On aime bien Gears of War, tout ça. Oh ouais, par contre, la visée. Bon, par contre, il n'y a pas l'air d'avoir de moyen de sortir de là. Est-ce qu'on peut les attirer? Voilà, merci. Alors, c'est pas mal, hein, mais. Mauvais rechargement. Bon bah oui, on prend tout. Ah, du coup, c'est pas forcément. Oh. Non, c'était quel bouton déjà pour s'accroupir? Ouais, c'était ça. Ça doit être ça. Mais l'attaque, il est. Oh merde. Et to dodge. Ok. Non! Bon, j'imagine qu'il là c'est pour nous apprendre la mécanique de mort. Parce que vu le nombre de zombies qui ont débarqué, on se peut dire que c'était la fin. Donc voilà, un nouveau départ, la mort n'est pas la fin. Le monde du dehors de la colonie est très dur. Les gens vont mourir. Cette cellule tient des volontaires.
membres de la colonie qui sont infectés et ont choisi de faire du coup un last stand, hein, bien sûr, roll credit. Voilà, ils ont décidé de faire leur barreau d'honneur derrière le mur de la fin. Chaque volontaire amène avec lui de l'équipement basé sur leur passé. Et au futur, vous aurez du coup différents volontaires à choisir entre eux. Et donc, un revolver, une clé à molette et une batterie. Le début de la fin. Parlez à Trinité. Et parlez à Steadman. Ok, c'est sympathique tout ça. C'est rigolo cette mécanique d'infecté, hein, du coup. Qui explique pourquoi les mecs sortent. Je sais que tu es en train de mourir. Par contre, le visage. Le visage dans les dialogues, ils sont un peu particuliers. Hein. Donc je vais faire court. Docteur Stegman a dit que la plupart d'entre vous n'avez que quelques jours. Ils vous ont probablement pas dit que vous avez signé pour ça. Mais la colonie meurt de faim. On a besoin que vous alliez au mur. Trouver une sortie. On a besoin de nourriture, d'armes, de munitions. Mais la dead zone a déjà tout pris. Prends cette voiture. Trouve ce que tu peux. Et rappelle-nous. Parle à Steadman avant que tu partes. Il a un antiviral. Ouh. The wall. Ah, c'est bon. Ouais, le mur quand même. Au bout de la dead zone. Donc Erk, ça a l'air d'être le... espèce de groupuscule qui avait essayé de tenir la... avant l'invasion. Ouais, Erk a du coup fait des barrières, mais c'était trop risqué d'essayer de les défendre. Non. Too risky to try and get through them. D'essayer de les passer. Hein. Pas beaucoup de choix. On a besoin de sortir. Je t'admire, tu peux faire la différence. On n'a pas en français. Hein. J'imagine que non. Cette accessibilité, non. L'audio, non. Vidéo, peut-être. Non plus. Gameplay? Non plus. Il est là. Ce bon vieux. On porte tous des masques. Ah oui, notre nouveau volontaire. Mon nom est le Dr. Steadman. Je regarderai votre sortie aujourd'hui. Allez ça, c'est un auto-injecteur pour les antivirus. La base VTN sera mise à jour. J'ai besoin de trouver la station de communication ERC. Ils ont généralement de quoi se ravitailler. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose, antivirus? Bien, du coup la ERC en a fabriqué beaucoup et l'a distribué à ses troupes. Nanana, ils les gardent dans leur structure. Ok. Salut Fredo, comment ça va? Dans les stations de communication, les medbay. Antivirus, c'est préventif. Comme je le dis, dadada, oui, ça évitera la propagation du virus. Ouais, c'est du Zombrex The Dead Rising, quoi. Cette nouvelle forme du virus est responsable du vieil inhibiteur. Mais les bénéfices sont limités. L'ERC n'avait pas prédit ce changement du tout. Bah pour l'instant, très cool. Bon, on en a fait qu'une seule, qui était assez longue, qu'on n'a pas fini d'ailleurs. Aiden Deep. Qui est assez particulier à décrire, c'est pas forcément évident, mais c'est une espèce de... tu joues un personnage du coup en vue de 2D et tu peux en fait t'enfoncer dans des profondeurs. Bon là, c'était juste des petites missions où tu devais aller chercher genre des coéquipiers. Et c'était quand même assez cool, il y avait une très très bonne ambiance. Et donc là on est au deuxième, qu'on vient de commencer, donc qui est The Last Stand Aftermath, qui est du coup sorti d'une campagne de Kickstarter, qui a bien évidemment réussi. Et donc qui est un roguelike stick shooter avec des zombies. Pour faire simple. Qu'on est au tout début. Non c'est bon. Ciao. Pour le lore ça devrait aller. C'est qui là? Nanana. Ouais, ouais, ouais.
Ah mais... Une galade avec les volontaires. Donc en fait, on joue des volontaires dans un camp de survivants qui ont été infectés. Et donc, on va aller chercher du loot, sachant qu'on va mourir. D'accord. Donc, elle va être médic. Très bien. Donc, il y a de quoi améliorer les armes. Et donc, si notre personnage meurt, on revient avec un autre personnage, avec un autre équipement. Et bah, c'est parti. Ah, voilà, histoire de bien faire du bruit. Le perso qui meurt dès le début en rentrant dans un poteau. Des zombies, encore des zombies, toujours des zombies. C'est vrai. Mais c'est facile. Mais pour le coup là ça change. Ah, tu n'as plus d'essence, pas encore. Je vais tuer ce petit connard. Bizarre. Ah, désolé, boss. Les boys ont oublié de le remplir. Elle est en ville, n'est-ce pas? On va du coup drop, blablabla. Allez, vas-y, va chercher le gaz, démerde-toi. Si tu fais tuer encore un autre volontaire, je te jure. Ok. Donc, on a une arme corps à corps, mais ça bouffe beaucoup de stamina. On a un petit mouvement d'esquive, mais pareil, la stamina. Et du coup, on vise en fait avec le. C'est pour ça que c'est un stick shooter, avec le stick. Et ça nous permet du coup de faire bouger les jambes alors que le haut du corps ne bouge plus. Qu'on a aussi un peu de stealth. Tiens. Oups. Chose là-bas visiblement. Batterie. Du coup, je sais pas à quoi servent les batteries. Oui, bon, c'est une batterie quoi. Quantité 30. Ok, on a 30 balles. Et malheureusement, j'ai un peu trop attendu pour faire ces démos. Parce qu'il y en a deux autres que j'aurais aimé faire qui sont plus dispo. Mais je garde quand même de côté parce que les jeux ont l'air intéressants. Donc si jamais il sort, ça fera l'occasion. Scraps. Oh. Merde, merde. Et du coup, il y a une petite mécanique de rechargement à la Gears of War. Le rechargement parfait. Qui permet d'avoir des balles parfaites. Qui font plus de dégâts. J'imagine que vu qu'elles sont vertes, ça doit être ça. Mais ça, c'est cool, parce que je trouve que le rechargement parfait a toujours été plutôt une bonne idée. Non, on va y aller. Voilà, coup de pied. On a le temps. Tiens ! De l'essence ! Petite quantité, tu pourras pas aller bien loin. Ok. Donc c'est en bas à gauche du réservoir. Qu'est-ce qu'ils ont là ? Ok. On peut faire du feu. Je sais pas si c'est le genre de truc qui influe sur ce que tu trouves. Ça me fait penser un peu à, du coup, j'en parlais tout à l'heure, mais à State of Decay qui avait un peu, du coup, des mécaniques. Guillemets, très similaires. Hop. Mais là, c'était plutôt du base building. Ah, est-ce qu'on va pouvoir jeter les bouteilles sur les gens? C'est ici, du coup. 3 sur 1. On peut continuer à explorer, j'imagine. On a le choix. Ah oui, ça c'est l'antiviral. Ah, mais on n'était pas obligé de revenir à la voiture. Encore heureux, parce que... J'aime le truc à pied. Ok, des balles de 9 mm. Fusil de chasse. Je prends.
Est-ce qu'on a... Alors, il y a okay, des connaissances. Des mutations. Ouh. Du coup, la map. The end. Ok. Et là, du coup... Ah, petite mécanique de FTL, hein, bien sûr. Dès qu'il y a une map avec plusieurs embranchements, c'est du FTL. Et voilà, par rapport à la distance du fuel, bien sûr qu'il vaut mieux essayer de looter à fond les premières zones. Il doit avancer, plus ça doit être la misère. Oh, c'est dommage, on peut pas aller dans les bâtiments. Merde. C'est pas ce que je voulais faire. Quand je me demande si on perd de la stamina max. Ou si c'est du coup les stats du perso qui font qu'on est, on a une stamina max. Ah oui, non, non, on en perd. Ça, c'est vénère, par contre. Ok, donc là, il y a un antiviral. Antiviral. Un sérum qui stoppe l'infection pour une petite période. Antiviral, amène to further infection from all sources. Ok. Oui, j'ai trouvé l'antiviral. Bien, bien. Ça ne dure pas longtemps. Bien sûr, garde un œil hein, sur l'autre structure du ERC. C'était focus. Ok. Quand on retourne dans la voiture, on s'en va. Mais on sait pas à quoi ça sert, en fait, l'antiviral. Plus vite. Parce que nous, ça nous permet de... Non, ça c'est autre chose. Plus des points de compétence. C'est pas comme on change d'arme aussi. Hein. Ok, donc on a une jauge de concentration aussi. D'accord. Antiviral, tu perds ton sang-froid, tatin. Tatatatatatatin. Repense à toutes tes années de service. Antiviral, bientôt les années de service. Et comment on change d'arme par contre? Oulala. Je suis en train de bouffer ma stamina max. L'effet quand même, l'effet assez cool quand même. L'effet de petite vague. Ah oui, tout simplement. Ah bah oui, bah c'est The Last of Us. Ah oui, on connaît. On connaît ce genre de choses, ok. On a pas de balles ? Ammo. On met quoi là-dedans ? Du 7.62. Bah oui, en effet, oui. On va pas trouver. Ok. Bah du coup, on va surtout pas l'équiper. Bah let's go. Qu'est-ce qu'on peut faire demi-tour? Je sais pas, peut-être. Non, travel, donc non, on peut pas. C'est un voyage à sens unique. Là, visiblement, c'est pas possible. Les magasins, la plupart des magasins ont été lootés les premiers jours de l'épidémie. Mais certains scraps, des résidus du vieux monde, ont été laissés. Oh là là. Bon, est-ce que pareil, la nuit, le mode focus permet de gagner du temps. Permettra d'avoir des infos sur ce qui se passe. Oui, je suis à court d'antivirus. Peut-être commencer à aller par là-bas. Je suis pas sûr de... Ouais, du coup, on peut faire diversion. Ok.
Alors après, ouais, c'est un peu le problème de cette vue-là. Supply cache. On peut prendre des items. Supply for use of future volunteer. Oh. Ou alors, du coup, on peut laisser ces objets-là, qui sera converti en supplies, qui peut être utilisé par d'autres volontaires. Je prends. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Merde, merde, non. Parce que là, il va falloir qu'on la force, cette porte-là. Allez là-bas. Pendant que je vais être occupé à faire du bruit. Kusuke. C'est presque dommage. Arrière. Ok. Personne n'a entendu. On peut pas fermer les portes derrière nous par contre. Oh. Oh. Du 5,56. Non, y'a rien là. Est-ce que du coup, si on pète les vitres, on peut récupérer des trucs qu'il y a dedans? Alors attends, toi là. On peut pas l'achever? Bombage explosif. Notre fusil de chasse. On a droit à quelle quantité? 47 sur 50 et on est bientôt dans la merde. C'est ce qui me semblait. Tac tac. Ça, on est à 7,62 aussi, là on l'a 12G. On avait récupéré des Gut Shells, on a 6. Et là on a un objet. Est-ce qu'on le jetterait pas celui-là? Quoi que tu me diras, celui-là aussi est tout défoncé. Ah mais ça a pas marché j'imagine. Parce qu'on a un revolver, pas un pistolet. Ah par contre, du coup on a acheté le fusil et pas le re-ramasser derrière. Ça va, ils sont un peu cons. Et du coup, il n'y a rien là-dedans. Quand il faudrait qu'on trouve une autre arme de corps à corps. Il m'a vu. On sait en avoir beaucoup. Hein. Mais je me demande si on peut stocker du coup des vivres. Non? C'est un peu dommage ça. Alors visiblement il y a autre chose par là. C'est un enfant!
On va éviter de chercher la noise avec les enfants. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça va pas? Ah, on peut fermer la porte, d'accord. Ah, l'antivirus a expiré. Non mais... Bah oui, mais... Il y a des fournis... Il y a la chaise qui s'est bloquée. Oui, bah c'est bon, je t'ouvre. Taisez-vous. Ça va, globalement, ils ont l'air d'être assez cons. Ah, s'il y a un truc là. Je fais que passer. Tu as gagné de la connaissance. Ok, il faut trouver du coup une radio pour pouvoir upgrade ses stats. Et bien sûr, les points de connaissance sont passés d'un volontaire à l'autre. Non, je peux pas escalader ce petit truc là. Est-ce que ce monde est sérieux? Hop là, roulade. Ouais, l'enfant, tu dégages. Hein. Mais il a combien de vie, lui? Durability. Ok. Ok, on peut se battre à main nue. Le marave. Ah, je peux en porter qu'une seule. Quelle vie. Ah, j'ai trouvé de la connaissance. Tiens, tiens. Oh merde. Tout va bien. Merde, je ferai le rechargement. Ils ont pas de loot sur eux. Vert. Oh. Tiens! Bonjour! Oh, la petite tatane en amont! Ah putain, il y en a l'infection en bas, d'accord, ok, donc c'est ça, très bien. Donc l'infection prend le pas sur le. Sur ta vie max. Plus de te faire bolosser. Ok, donc ça nous fait regagner. Un peu de vie au fur et à mesure. Peut-être commencer à sortir ça. Hein.
Eh ben voilà! On a déjà une plus grosse puissance de frappe. On va pouvoir récupérer l'autre. L'autre est par là-bas. Mutation. Le virus se répand et fait muter ton corps. Les mutations sont variables. Ils donnent des nouvelles compétences ou effets. Ouais, mais ça arrive bien sûr hein, avec des effets secondaires. C'est antiviral pour stopper l'infection de manière temporaire. Alors, tu ne réalises même pas que tu te fais frapper, donc tu n'as pas de fléchissement lorsque tu te fais toucher. Une mort à la restore, il y a le maximum F. Oh! Peut-être plutôt prendre la stamina. Ouais, ouais, ça réduit ta vie maximum, bien sûr. Utilisation. Tiens, tiens, aïe. Tiens. Mais, qu'est-ce qu'il y a? T'en as encore? Attends, mais c'est par où? Bizarre. Allez, on se casse. Alors, compound, neighborhood. Ouais, du coup, les militaires sont venus enlever les survivants de toutes les maisons. Être en sécurité, bien sûr. Il y a des choses à looter. Hein. Voir si on arrive à trouver une radio. Est-ce qu'elle a besoin de réparation? Oui. En vrai, c'est pas ce que dommage qu'on voit les zombies en souriant, c'est parce que ça enlève tout suspense de quand tu ouvres une maison. Tu sais exactement le nombre qu'il y a à l'intérieur. Prendre du coup de l'eau contaminée pour récupérer de la stamina, mais on peut prendre des dégâts. Donc c'est pas une bonne nouvelle. On va repartir sur lui. Il faudrait qu'on trouve une arme de mêlée là. On en a pas, on est d'accord. Et les weapons, on a que dalle. Bouteille en plastique. Est-ce qu'on peut pas du coup utiliser la bouteille en plastique pour récupérer de l'eau? Est-ce qu'on peut les perdre de vue? Parce que malgré tout en plus on est limité à cause du de l'infection. On est quand même obligé de speeder de ouf.
en restant suffisamment discret pour pas se prendre tout l'agro de la terre. Oh, mange tes morts. J'ai l'impression qu'on peut... Oh, oh oui. Merde. Non, je suis pas sûr que ça passe sur les zombies, ça. J'ai pas vraiment l'impression qu'on puisse les... Merde, je suis surchargé. Mais c'est quand même méga triste qu'on puisse pas entreposer les trucs dans sa voiture. Là, j'ai pris un truc d'essence, on va quand même le mettre. Oh, l'infection va tellement vite. Parce que déjà, on peut du coup dégager lui et lui. Là, c'est les mêmes. Non, pas exactement. Si, c'est la même chose. Là, ça prend du 45. Du 45, je crois que j'en ai. Oui. On a aussi du 7,62. On a plein de balles, en fait. Les briques, on va les jeter. Espèce de... Non, mais ça, ça pèse rien. C'est ça qui pesait beaucoup. Ah! Ah oui, mais non! Bah oui, on est con. Ouais, mais il était cassé, donc bon. Ça, ça pèse, par contre. On s'en sert, en fait. La seule manière... Bon, par contre... On peut tout enlever, ça. 45 sur 50. On va tester avec ça. Il y a un sac jaune là-bas. Ah, on peut pas rentrer par là. Là-dedans, il y a l'air d'avoir des trucs là. Ah ouais, par contre c'est ultra fermé, on peut peut-être passer par cette fenêtre. Attention, j'ai une arme. Je sais pas si du coup on a une chance de critique. Nouvelle mutation. Plus 25 d'attaque de mêlée en vitesse. Ok, dommage. Non, non, on va prendre ça plutôt. On gagne en damage de visée. Vous pouvez rien faire. Alors, si celle-ci vous arrivez à la dégommer. Supply, oh! Ok, il faut qu'on l'amène au... Ah oui, d'accord, on l'a sur le dos. C'est pas mal, ça. Quand même, une petite ambiance, même si c'est vrai que le côté genre survie, tout ça, faire gaffe à son cul. Il faut finalement, on peut y aller plus en bourrant. En prenant son temps et en étant sticky. Hein. On aura pas mal de petits trucs à aller voir. Ok, on a un jerrycan. Ah, on a les endroits pour se camoufler. C'est le camouflet. Ah, les jeux de lumière par contre, c'est le plus bel effet. Je crois qu'on est bon là en vrai. Hein. Parce que genre tous les trucs qui restent c'est des espèces de trucs notés avec des feux.
Encore, on n'y est pas vraiment allé dans cette maison. Contre le gros, là, il me fait un peu peur. Ok. Calmez-vous, les enfants. Est-ce qu'on a une fenêtre par où rentrer? Non mais je voulais me... Hein ? Au secours ! Ok. Est-ce que du coup l'espèce de point blanc, c'est comme ça qu'on fait des critiques ? Alors faut qu'on touche ça ? Ça a l'air d'être ça. Oh. Mais ils l'ont pas tous visiblement. Tiens, ça t'apprendra à te conseiller dans la cuisinière. Arrêtez de le reprendre. Hein. Ah ah! On a enfin une arme de cac. On sait pas à quoi ça sert ça. C'est quoi? Si t'allumes tous les feux, t'as gagné? Bon, je pense qu'on peut y aller. Hein. Pas besoin de réparer la voiture. Si. Et on est parti pour avoir une troisième infection. Ouh. Visiblement, il y aurait un shop à celle d'après. Un symbole avec des doors. Large voisinage. Ok, ouais, les militaires ont récupéré la plupart des populations de ces quartiers. Mais visiblement pas à temps. Oui. Ouais. Tu gères, t'inquiète. Non. Ouais, il faut chercher les structures du ERC. Du ERC. Alors. Allons par là. Nouvelle mutation. La résistance à la mêlée. Je vais plutôt prendre ça. Essence à la mêlée. Pour l'instant, on n'a pas vu trop les points négatifs. Pas si du coup ça vient après ou ça vient jamais. Par contre, faut qu'on commence à se dépêcher parce qu'ils vont arriver. Pareil, je sais pas ce que ça implique du coup d'être surchargé. Oh. Pareil, allumer un feu. Par contre, on a masse de balles. Bah du coup, ça on va le jeter. Euh...
Non, prendre un medikit, ce serait trop. Peut-être prendre ça au cas où. Ouais, par contre là, faut y aller en forçant. Calmez-vous! Ça a l'air d'aller. Hein. Faudrait qu'on aille de l'autre côté. Hein. Bon, faut d'abord qu'on mette le... les ressources dans la voiture. Le viral doc en haut. Ouais. Scraps, ok. Allez, il faudrait vraiment qu'on utilise les balles en fait. Ok. Je viens de me faire éclater par un piège. Eh bah très bien. C'était aussi brutal que prématuré. On peut choisir un volontaire. Ah bah c'est parti pour Archer Williams et son shotgun. Supply dépôt. Si tu feras la différence. Nanana. Ouais, ça on en avait trouvé un. Ok, donc là on peut dépenser nos points. Insurance. Oh. Quand le volontaire meurt, 3 items random vont dans l'inventaire du suivant. Knowledge. May I place into the armory for your use. Ok, donc ça c'est des choses qui vont drop dans les caches. Ah. J'en ai combien? J'en ai 10. Donc j'ai déverrouillé la batte. Qu'on peut maintenant trouver. On aurait pu la faire autre chose. D'accord. On peut pas dépenser nos points de connaissance ici. Empty. Attends. On peut rien faire en fait. Ah d'accord, c'est au feu, d'accord, qu'on peut faire des trucs, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il veut lui? What do you need? C'est ici qu'il échange des trucs? Visiblement. Un générateur. Ah. Training arrière. On dirait le mémorial des morts. Visiblement, il n'y a pas de ton radio où on peut dépenser nos points de compétences. Enfin, nos points de connaissance. Ah bah, let's go. On va retester. Commence dans le voisinage. Du coup, on commence direct à la première zone. Non, on était déjà à celle-là. Alors. Après, je sais pas à quoi sert le scrap et tous ces trucs.
C'est vous qu'on puisse pas les finish. Non mais dis donc. Peut-être que je me concentre sur les loots. D'accord que là je vais au pire endroit du monde. Il manque une autre arme de mêlée. Hein. Il faut que je trouve une batterie. Hein. Hé hey, raté. Oh merde. Oh merde. Ah, visiblement j'ai réussi à choper une mutation sans trop savoir pourquoi. Ah, il y a plusieurs choses à récupérer. Cocktail Molotov ? Je dis pas non. Ah putain, mais je le vois tellement pas. On a failli se remourir à cause d'un piège, quoi. Quel enfer. Voilà, main nue. Est-ce qu'on peut voir du coup la mutation, non? On peut pas améliorer ça. Restore large amount of stamina damage, ok. Ça on va l'acheter. On va réutiliser un bandage. Eh non, c'est là. Mais t'as un sac à dos, toi ? Oh, mais lui aussi. Ok, donc les zombies avec des sacs à dos, généralement ils ont une arme sur eux. C'est bon à savoir. Par contre, là j'imagine qu'on a. Ah, on a un 45 et un 9mm. Et du 9mm, est-ce que j'en ai? Oui, c'est du 45 que j'ai pas. Mais d'abord, faut qu'on aille récupérer l'essence. Je peux le temps de tirer. Melee damage, oui, on va prendre ça. Allez, tiens!
Mais par contre, c'est vrai que ça bouffe de la stamina. Après, on a ce qu'il faut. Hé hé! Psych! C'est vrai qu'on a un antiviral. Tu perds ton sang-froid. On avait vu de l'essence, oui, ici. Et il y a une supply drop visiblement là-bas. On va faire le plein. Ah oui, c'était ça. On n'a pas de batterie. Bon. On va avancer, je pense. Oui. Allez, relève-toi. Oh. Ok. Bon, c'est peut-être pas forcément viable d'y aller à main nue. Oh. Allez. La station essence, c'est parti. Ah putain, ça c'est les enfants ça. On peut peut-être s'en débarrasser maintenant. Ah merde. Oh là là. Ça fait méga mal! Ah oh putain, la plante, ça... J'ai rien. J'ai rien pour soigner. Eh bah yes. Mais non mais... Là non! Pas comme ça! Quelle vie. On s'est fait avoir dans le dos. Alors je voulais juste sortir mon arme. Mais il avait sorti un vieux... Ouh, on pensait qu'une cassette. Bombe Tecloda, ok. Herbaliste. On peut tester ça. Cola quoi, un pipe pistol. Une chain knife. Remettre d'herbe. Écoutez, parfait. Juste voir si on peut améliorer des trucs et on va s'arrêter là pour ce soir. On peut la continuer en vrai. La démo, c'est cool. Voir jusqu'où on peut aller. Mais là, du coup, c'est on achète directement pour cette run là. Et là, on a 10 bandages. Ok, c'est 2 balles par contre. C'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, mais on a que ça. Il faudrait qu'on tente des recettes en fait. C'est ça qu'on fait pas. Mais bon, on verra ça du coup pour une prochaine. Ouais, plutôt sympa. À voir sur le long terme ce que ça peut proposer. T'as quoi, c'est ça.